L'écoute sincère est un acte d'amour et d'amitié. Votre qualité d'écoute reflète la qualité de vos relations. Madame, monsieur, bonjour, bonsoir. C'est avec cœur joyeux que nous vous retrouvons à l'heure de votre émission de prédilection Tasse Café Spirituel. Je dis, c'est samedi 4 juillet 2020. Et ses amis, on voit. Frère, on Jean-Claude Bernard qui ouvre l'émission matin. Hein? Elle nous dit, 4 juillet 2020, c'est une date importante pour les États-Unis d'Amérique. Il faut qu'on s'en matin. Hein? Nous rappelons ça hein, pour les gens qui te connaissent déjà. Hein? Ce week-end. Amen. Marcher dans l'amour, c'est pas seulement théorique, mais c'est pratique également. Maintenant, nous voulons apprendre dans la vie, il faut être toujours sincère. Oui doit être oui et non doit être non. Hein? La Bible dit que votre oui soit oui et que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute vient du malheur. Hein? Dès pour changer oui ou non, ça saute de malheur. Hein? Attention. On va prendre sincère avec Zami, nos frères, nos soeurs. Hein? Il n'est pas bon pour rouler mon nom de bord. Vous connaissez ça, on va dire. Ou pas faire vrai. Ou qu'on est ou pas respecter parole. Pourquoi nous pas venir chercher mon nom? Dis-le pas venir. On nous essaie de mentir. On nous essaye sincère dans la parole. Car la sincérité, c'est un preuve de cœur, un preuve d'amour également. Parce que nous avons vu nos pays. Nous ne pas mentir pour d'agréer. Ne sourit pas la vérité. Vous joue pas la vérité. Mon cap dit des fois même marcher par la vérité. Hein? Parce que comment vous n'avez pas il bon marcher l'autre monde parce que l'idée de se tromper ou de marcher. Vous voyez quoi que sont l'autre monde. Non, il n'est pas bon. On nous marche dans l'amour. On nous marche à l'exemple de Christ. Que pensez-nous capable de refléter la pensée de Jésus-Christ? Ayez le sentiment qui était en Christ. On nous salue son numéro qui pourrait être là. Hein? Bonjour, sœur Bita. Bonjour, sœur Naomi. Bonjour, pasteur Parmelus. Bonjour, Aristide Bouvet, mon ami, mon frère. C'est le moment pour nous à prier, mon Dieu, auprès de la table spirituelle. Hein? Mon Dieu, pas besoin qu'on ait si ou son grenade, sous son équipe pauvre. Pas besoin qu'on ait si ou qu'on ne parle bien, ou pas qu'on ne parle bien. Mais ça a besoin ou même l'on a vu une prière. Ou de prier avec un cœur sincère. Hein? Et pour vous prier avec un cœur sincère. Mon Dieu, capable tant de prier. Hein? On a le prier, mon Dieu. Samedi 4 juillet 2020. Prions Dieu avec notre ami, notre frère, pasteur Parmelus. Que nous passons un très bon week-end dans le Seigneur et que mon Dieu bénisse nous. Maintenant, c'est le moment de la prière et nous allons inviter notre pasteur Parmelus à nous conduire au trône de la grâce. Disposez-vous et disposons-nous à la prière. Prions Dieu. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée et il dit: béni sois-tu d'éternité en éternité, Éternel, Dieu de notre Père Israël. À toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence, l'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. Chronique 29, verset 10, 11, la prière de David. Chers amis, chers frères et sœurs, une autre fois, nous dit l'Éternel merci parce que lui permet de nous rencontrer encore. Comme nous t'es déjà dit ça, dans le jour ça, là, on va bien chance pour tenter, frère Boubert.
à cause de toute bagaille en désordre et lui-même la beauté et transféré de l'autre côté à l'autre côté. Donc ça crée des problèmes. Nous te mettons au courant de cela, nous avons toujours répété ça. Et n'a continué travail tant ni vini parce que me connais grand pile monde qui a vie ou grand monde. On va bien commencer par la prière. Dieu tout puissant, notre Dieu, notre bon sauveur, encore une autre fois nous rencontrer devant l'Éternel Papa dans moment ça et nous demander continuer répandre grâce au cher Seigneur dans la vie nous. Dans moment ça nous la frère Boubert dans mon Dieu tout puissant avec toute famille pasteur Kelly Bernard. C'est Naomi, normalement toute Naomi non est net, l'Éternel non la guéri dans mon, non la guéri c'est Mbeli dans mon, non la guéri c'est Miota dans mon cher Seigneur, dans mon moment ça non la guéri c'est Marjorie dans mon Dieu tout puissant, toute Marjorie et Marjorie non la guéri toute dans mon cher Seigneur. Et c'est Jeannette, nous toute Darlene yo net non la guéri dans mon Dieu tout puissant, dans mon moment ça. Nous demandons de verser grâce ou de verser amour, cher Seigneur, dans la vie, parce que nous connaissons, c'est vous-même qui seul Dieu, par excellence, qui bénit au temps opportun. Nous avons mon ami, c'est évangélique Baptiste à la gloire de l'Éternel, et nous avons ce clair, mita destiné, cher Seigneur, nous avons frère, c'est Obika Seus, frère Georgie, c'est Janita Joudin, c'est Christmen Seyan, pasteur Exantissano, et frère, et nous avons frère Charles Jean Dus, Dieu Tout-Puissant, et nous avons Charles Jean Josué, l'Éternel. Nous avons Edmond Joseph avec toute famille, et c'est Chantal Edouard avec tout l'autre collaborateur, collaboratrice qui a pu travailler avec la CAM, quoi des bouquets. Nous avons tout le monde, nous avons frère Kenel Joseph, dans le moment ça, cher Seigneur. Et nous avons répondu grâce à nous, avons Marie Zaltido, Marie Jolie, et tout l'autre Marie Zio, dans mon Éternel. Nous avons frère Ouni, dans mon moment ça, cher Seigneur. Et nous avons l'Éternel Papa, c'est Leslie Cam, et frère c'est Joudan. Nous avons frère c'est Fiel Edmond, frère c'est Louis avec toute famille honnête, l'Éternel. Nous avons tout le monde Sicily, frère Hubert Charles, et frère c'est Raymond Joseph, frère c'est Raymond André. Frère c'est Kisnel Nelson, frère c'est Panel, frère c'est Aska, frère c'est Ricardo, frère c'est Diré, nous la guéri tout le monde, mon Dieu tout puissant, frère c'est Nipson, Dieu tout puissant, nous m'adorons répondre grâce au l'Éternel, parce que nous rendons compte l'Éternel, nous n'avons pas fait rien sans présence, frère c'est Anderson, c'est Antonia Gélin, nous la guéri, dans mon Dieu tout puissant, c'est Jean. Nous la guéri tout le monde, c'est Allen, pasteur Judson, et Joannis, nous la guéri tout le monde, Dieu tout puissant dans le moment ça. Et nous allons continuer de verser grâce au souffre Alfrena, et frère Judson, et frère Sir Marc, nous la guéri frère Sir Marc, Soluchal également, frère Sir Eric Luchal. Nous la guéri l'Éternel, papa, frère Sir Morales, Luchal, toute équipe Luchal, honnête, nous la guéri dans le et nous également Dieu tout puissant frère Inora et frère Crib et frère James Medo avec toute famille très certainement nous la guise Maïline Namon et non la guise Mireline Saint-Jude également frère Steven Son et Anasius. Nous la guérons tout dans mon Dieu tout puissant. Nous m'adorons répondre grâce sur le groupe Sabéos. Tout est branche vers Dieu, c'est Edline, pasteur Lixon vers Dieu, c'est frère, c'est Valet, frère, c'est Kisnel. Mon désir, nous la guérons tout dans mon Steven vers Dieu. Nous la guérons tout dans mon Éternel. Nous m'adorons répondre grâce sur frère Juden et pasteur Jean-Oudi. Nous la guérons tout dans mon. Merci pour grâce, merci pour amour, notre bon sauveur. Merci à notre pasteur, pasteur Parmelius, de nous avoir conduit au trône de la grâce. Maintenant, nous allons passer à autre chose. Vous faire écouter une chanson qui va vous faire énormément plaisir, puisque aujourd'hui, c'est samedi. Et qui dit samedi, c'est le week-end. Amusez-vous bien dans le Seigneur. Ah, attention. Et nous enchaînons rapidement avec la formation musicale de Mister Divin. Hein? Kembe Jésus, mon frère, mon ami. Hein? Je t'ai cherché partout, au monde qui pouvait d'aimer, au monde qui a compris les maps souffrir.
Moi t'ap chercher chaque jour. Moi pas jamais tout. Non ton sang qui na vive kounya li pas facile pour moun comprendre le wap souffrir hein. Depuis fin essayer pas jamais regret. Le problème. Gen moun ki prend plaisir dans souffrance l'autre moun hein. Bagay pou ne pas de faire en tant que chrétien hein. Attention. Comme ce week-end, nous l'avons cité un petit café pour Sœur Jorel Saint-Yves. Attention, hein. C'est grand monde, nous allions. Sœur Mito. Bonne nouvelle, Sœur Mita, hein. Attention. Je dis à l'école, la demeure mourir. Mais si vous battez la vie, ce sont les ici là. Bonjour la dixième. Ouais Max, attention. C'est une paquet de Jésus qui compte pour le bébé, attention. Hein? Ça arrive au Kembe, on va gagner la bonne route. Hein? Mais Jésus, c'est celui-là qui va jamais la guéno, hein? Attention. Est-ce qu'il n'y a pas de pito le plus bon qu'il quitte Jésus qu'un bénou, hein? Parce que ça qui arrive, nous fait une faiblesse qui prend nous, non mais, hein? Et bien nous la guéno Jésus. Attention. Nous va arriver le moment pour nous accueillir Sœur Mitare dans la page anniversaire. Nous sommes obligés de mettre un terme à cette musique, hein? Son ministère. Comme je vous l'avais dit, nous allons accueillir la sœur Naomi dans la page anniversaire. Bonjour à toi, Naomi. J'espère que tu vas bien. Hein? Bonjour, pasteur Kelly Bernard. Bonjour, bonjour à vous tous, amis auditeurs de Café Spirituel. Aujourd'hui, nous sommes le samedi 4 juillet 2020, en plein week-end. Je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est la sœur Jolie Naomi dans la page anniversaire, bien sûr. Nous sommes ensemble dans l'émission. Je veux envoyer un rayon de soleil à vous tous qui écoutez notre émission en ce matin. Que le Seigneur puisse vous toucher, vous fortifier et vous accorder sa grâce encore une fois. Je salue la famille FKS, je salue tous les collaborateurs de Café Spirituel. Ce matin, comme je vous ai dit hier, nous n'avons pas de nom à citer durant le week-end, donc nous allons directement passer au verset pour vous encourager. Ce matin, nous irons dans Proverbe 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Psaume 118, verset 14. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Et nous irons aujourd'hui dans le psaume 95, verset 1er, que nous allons boucler le moment de le partage. Venez, chantons avec allégresse à l'Éternel. Poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Alléluia. Bien-aimés, nous fêtons avec vous. Nous n'avons pas de nom vraiment à citer en ce week-end, mais nous fêtons avec toutes les personnes qui écoutent l'émission Café Spirituel et qui fêtent leur anniversaire de baptême, anniversaire de naissance, anniversaire de conversion, anniversaire de mariage. Bonne fête à vous tous, bonne fête à vous tous et surtout, restez attachés au vrai sceptre bien-aimé. Nous pensons également à toutes les personnes qui sont frappées par des moments de douleur, des moments de tristesse, des moments durs de la vie où ils n'ont pas de solution, où ils sont vraiment troublés. Nous voulons penser à vous dans la prière et nous voulons également vous encourager, bien-aimés, à tenir bon. Tenez bon dans la main de notre Seigneur. Laissez vos genoux plier devant l'Éternel et c'est sûr qu'il vous donnera la solution pour sortir. Bien-aimés, je souhaite un bon sabbat aux personnes qui ont mis le samedi à part pour adorer l'Éternel. Bon culte à vous. Que le Seigneur vous enrichisse encore de sa bonté, de sa bénédiction. Rendez-vous demain matin si Dieu veut. Et je ne veux pas oublier ceci. Avant de vous quitter, bien-aimés, pensez à vous abonner. Je vois que vous avez commencé à vous abonner, donc continuez à le faire. Continuez à vous abonner, bien-aimés, dans le Seigneur. Continuez à vous abonner sur YouTube, notre page YouTube. Nous avons la page Facebook également. Nous sommes aussi sur SoundCloud. Donc,
Profitez de ce moment où le Seigneur vous permet d'entendre sa parole. Et quelque chose qui vous fortifie. Ce café est vraiment excellent. Donc c'est un café qui va vraiment vous accompagner durant la journée pour vous donner un peu de fortifiant, un peu de sucre, un peu de miel, un peu de... Vous voyez, mais cet Esprit de Dieu pourra vous combler à travers cette émission. Et partagez avec vos amis, vos voisins, vos collègues, vos familles, quelqu'un que vous sentez qui a besoin de booster. Partagez-lui le café. Je vous laisse en bonne compagnie. À demain matin, si vous voulez m'aimer. Allez, bye bye. Merci à Sœur Naomi de nous avoir présenté la page d'anniversaire. Maintenant, nous allons enchaîner avec la Sœur Fabienne qui va nous présenter... comme aujourd'hui, vous savez très bien, c'est samedi. Ordinairement, on a la rubrique « Prends-moi son pépin ». Mais compte tenu de la situation, nous sommes obligés de vous présenter quelque chose d'une façon très, très succincte avec la sœur Fabienne. Madame, monsieur, comme étant annoncé, nous avons avec nous la sœur Fabienne qui va nous présenter ce petit sujet. Obligé d'un petit sujet parce que nous n'avons pas grand chose à discuter aujourd'hui. Mais il y a pour nous quelques conseils sur savoir plaire instantanément à ses amis. Et moi, j'espère que nous avons prêté attention avec Sœur Fabienne. Bonjour à tous et merci à toi, frère Jean-Kelly Bénard. Nous allons partager avec vous ce petit sujet sur le savoir plaire instantanément. Pour plaire instantanément, il suffit que vous appliquiez tout simplement les règles suivantes. Aimez les gens si vous voulez qu'ils vous aiment. Intéressez-vous à eux si vous voulez qu'ils s'intéressent à vous. Accueillez-les avec chaleur et bonne humeur. Sachez voir les choses du point de vue de votre interlocuteur. Et pour terminer, aidez les autres. Vous vous aidez vous-même et l'on vous aimera. Le monde est plein d'individus égoïstes qui ne pensent qu'à eux. C'est pourquoi celui qui s'efforce de servir les autres sincèrement possède un avantage incontestable. Car il ne rencontre guère de concurrence. Merci. Merci, Sœur Fabienne. Et laissez-moi placer quelques mots. On n'est pas sans savoir que l'appréciation, c'est quelque chose très précieux. En plus, le monde a aimé ou apprécié. Mais laissez-moi dire un bagage matin. Appréciation, c'est pas un bagage où je viens comme ça, il faut travailler pour lui. Comment se fait-il ou pensez que vous avez un apprécié pendant que vous même pas apprécié mon? Donc, si vous pas apprécié mon, c'est sûr et certain que vous n'avez pas apprécié. Si vous pas intéressé à mon, comment vous pouvez penser que vous pas intéressé à vous également? Il est vrai, nous toujours t'a remé pour mon remé nous. Mais si vous t'a remé mon remé, il faut remé mon toi. Faut pas trop égoïste, faut bailler. Pour joindre en retour. De très souvent, nous avons tendance, les gens accueillent nous mal, nous plaignent. Cependant, nous-mêmes, nous aimons accueillir les gens mal. C'est la règle du jeu. On récolte ce qu'on aura semé. Il est toujours bon, les amis, pour pas seulement voir les choses d'un point de vue pas, mais c'est d'un point de vue pas tout. Le monde chargé, le monde qui est égoïste. Il pense à la tête seulement. Il pense à bonheur, pas yo. Mais laissez-moi dire bagay. Le bonheur, non seulement le doué un bagay qui est contagieux, mais il réciproque également. Donc, on nous travaille pour nous faire que le monde content. Comme ça, tout, que nous va content. C'est un plaisir. Pour nous avoir matin, pour nous partager avec vous-même quelques règles sur le savoir plaire instantanément à ses amis.
pas gen moun ki pa gen zanmi. Mais tout zanmi pa même. Apprenne apprécier zanmi yo. Apprenne faire plaisir à zanmi yo. Mais gen bagay ou de konnen. Faut d'abord ou apprendre faire tête au plaisir pour faire l'autre monde plaisir. Merci, c'est ton plaisir. Bon week-end et que bon Dieu continue bénir nous. C'est ton plaisir pour nous avec vous. Bye bye, au revoir. Bye bye, à très bientôt. Il n'est pas facile de vivre et de faire face chaque jour aux épreuves et aux difficultés que nous apporte la vie. L'adversité, la douleur, la déception, le dénuement, le chagrin, le découragement, la détresse font tous partie de l'aventure quotidienne qu'on appelle la vie. Quand plus rien ne va, quand les mots ne veulent plus rien dire, qu'on a envie de pleurer sans trop savoir pourquoi. Parfois, il nous arrive de vouloir tout abandonner. Et pourtant, à chaque jour suffit sa peine. Et chacun d'entre nous possède en lui la force de vaincre toutes les difficultés et de surmonter toutes les épreuves. Mon Dieu, donne-moi d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux.